Bonjour les amis, oui, aujourd'hui c'est avec Boubou que l'on va parler de l'artémisia. Cette plante merveilleuse qui pousse partout chez nous. L'artémisia vulgaris. Qui, voilà, est comme ceci avec ce gris duveteux en dessous. Et alors pour la reconnaître, ma chère mandarine, c'est très simple. Tu fais ça, tu sens. Et eh ben, l'odeur, elle est vraiment caractéristique de l'artémisia. Voici Poppy qui arrive pour vous présenter aussi l'artémisia. Alors, je vais prendre tous les artémisia annua. Je pensais, mais non. Alors, il y a un très très bon outil que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet qui s'appelle PlantNet, qui vous permettra vraiment de bien reconnaître les plantes. Alors, j'ai mon fils qui l'utilise, moi non, mais j'ai pas Internet pour son téléphone, c'est pas grave. Et n'hésitez pas, hein, à Mandarine, n'hésite pas à installer PlantNet sur ton téléphone. Comme ça, tu vas pouvoir bien reconnaître ton artémisia et la récolter. Donc, l'artémisia vulgaris, elle est vraiment, vraiment très, très bonne en infusion pour les règles douloureuses et pour plein d'autres choses. Et la nuit, elle a d'autres choses. Mais regardez, j'ai un ami qui m'a envoyé hier une photo. Il en a trouvé près de Montpellier. Ah! On se retrouvera là avec une plante, les amis, dont vous avez tous entendu parler, la fameuse artémisia. Elle est facile, elle se trouve en ce moment sur le bord des chemins. Regardez, alors c'est très simple, hein. Voilà, c'est le moment de la récolter, n'hésitez pas surtout à en ramasser, regardez, il y en a partout, là sur des kilomètres, tout ça c'est de l'artémisia. Et c'est une plante très très bonne pour la santé. Je suis content, bien content, je vais me promener dans les champs. Eh les amis, on trouve aussi en ce moment de la menthe poivrée. Regardez, c'est facile, hein? Ça ressemble vraiment à de la menthe et ça sent la menthe. Et les amis, comme n'importe quelle autre plante, comme ici par exemple, vous voyez, j'ai cueilli un joli bouquet d'origan. Mais comme on peut le voir, ça se voit pas beaucoup parce que j'en laisse pas mal. Faut surtout donner à la chance à la plante de pouvoir se reproduire. Donc l'artémisia, qui est quand même encore très rare, surtout l'annua, si vous en trouvez, prélevez-en un tout petit peu si vous en avez besoin seulement. Sinon, vous la laissez, vous la repérez. Hein? C'est raisonnable. C'est comme ça que ça marche avec la nature. Elle nous donne, elle est généreuse, mais on n'en abuse pas. Salut! Allez, les chiens sont impatients. Je vous dis à bientôt pour toujours une nouvelle vidéo des découvertes des belles, bonnes plantes de la nature et tout ce que la nature nous offre et tout ce qu'on peut faire avec. Salut! Tu as aimé? Pense à liker et à partager. Si tu veux me suivre sur ce petit chemin qui est bon pour moi, bon pour la planète, pense à actionner la cloche de notification. À bientôt. Bonsoir encore.